Hello World, dixième partie de l'aventure Resident Evil. On va bientôt toucher à la fin quand même. Donc, alors la précédente, on s'en était arrêté après le serpent. Le second serpent, donc cette fois-ci, il est définitivement mort, il nous embêtera plus. Mais il y a d'autres surprises qui nous attendent en chemin. Donc, allez, je propose de suivre ça à partir de là. Et c'est parti, bonne vidéo à vous. Je cherche le pistolet là, mais ah voilà. Ok. Donc on va aller terminer la visite des pièces fermées avec la clé casque. Il en reste plus beaucoup. Toujours ce maudit lag. Ben voilà, tout est ouvert, parfait. Donc ce mémo n'a d'utilité que lorsque vous recommencez le jeu, puisque la salle décrite c'est la salle où on change de costume. Voilà, tout simplement. Alors si c'est pas une salle très importante. Lui, je vous conseille de l'éviter. Si vous y arrivez. Récupérez la boîte à bijoux. Et vous sortez de là. Voilà. Pas la peine de s'occuper de lui. De toute façon, il... De toute façon, il pourrira tout seul, hein, voilà, il a l'habitude, je pense. Comme ça, on a récupéré la boîte. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Oui. Ah oui, du coup, ouais, j'ai oublié d'aller récupérer les balles de Magnum. Bah, je vais faire ça tout de suite. J'espère que le zombie ne s'est pas réveillé. Eh ouais, forcément. Toujours un grand moment de stress, hein.
sais plus s'il y a des. Ouais non, bah en normal et facile il y a des plantes ici, mais bah là en difficile il n'y en a pas non plus. Quand même beaucoup de différence. Là, vous associez le rubis rouge avec la boîte. Il y a un petit puzzle à résoudre. Donc c'est très facile. Il suffit de mettre les pièces correctement. Il me semble que c'est celle-là, je suis pas sûr. Non, je vais me tromper quelque part. Je sais que celle-là va là. Pou pou pou. Oui, non, je me suis trompé là. Allez, on n'a rien vu, on la refait. Donc. Alors, il me semble que celle-là, c'est la première à mettre. Ouais, celle-là va là. Elle. Ah bah voilà. Ah, c'est tout de suite plus sérieux, hein. Donc, broche récupérée, on l'examine et ça donne. Hop là, un petit lag. Ça donne une clé. Donc, ça, c'est la clé Spencer. Alors, pour ce qui va arriver, donc, oui. Donc, je ne spoil pas, hein. Mais je vous conseille de prendre le magnum et le pistolet. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous vous douterez un peu de ce qui va arriver, du moins de ce que je vais devoir affronter. Donc oui, la poignée de porte est réparée, vous pouvez maintenant passer comme bon vous semble. Donc, on utilise la clé Spencer. Rebecca, is she upstairs? Donc là, ne perdez pas de temps.
Rebecca. Chris. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. C'est fantastique parce que bon voilà, il se passe un truc super grave, mais non, faut quand même se séparer. Bon, allez. Donc heureusement, vous avez sauvé Rebecca. Donc elle va rester avec vous jusqu'à la fin de l'aventure. Parce que là, en gros, si vous intervenez pas assez vite, vous devinez ce qui se passe, quoi. Donc ça change évidemment la fin du jeu. Enfin, pas grand chose, mais bon, ça change quand même. Parfait. Oui, en effet, c'est un petit peu le bordel dans ma malle, mais bon, je vais pas la ranger devant vous, ça sert un peu à rien. Donc, oui, je vais récupérer ma nivelle. Non, ça sert à rien. Donc, ma nivelle, je prends le fusil. Ah oui, évidemment, la batterie. Voilà. Donc là, il faut aller replacer la batterie dans à côté de l'ascenseur du jardin. Donc là, il y a toujours ces maudits chiens. Attention. Ah, forcément. Ouais, toujours. Ah, forcément, faut que je me fasse toucher. Et je suis empoisonné. Ah, c'est nul. Je me fais très rarement empoisonner dans le jeu, mais alors là, ouais, j'avoue, j'ai pas de chance. Normalement, à part le serpent qui est dans le coin du virage, je me fais pas toucher, mais... Bon, là, il y a toujours les chiens. Faites en sorte de les éviter.
utilise la batterie. Oh, c'est pas possible. Voilà, je me fais vraiment... je me fais malmener. Bon, c'est vrai que les chiens, leurs morsures sont pas très puissantes quand ils vous foncent dessus. Là, vous voyez, je me suis fait toucher 3 fois. Je suis même pas... Ah si, je viens juste de passer en... second degré attention pour... à cause du poison. Mais bon, c'est pas... Ouais, c'est pas vraiment des morsures très importantes, quoi. Donc là, voilà, alors vous remettez de l'eau dans le bassin. Vous évitez encore les chiens. Sachant qu'il y a un ordre quand même. Non, même pas. Parfait. Voilà, vous foncez à travers la chute d'eau. Décidément. Alors, est-ce que j'ai des herbes bleues ? Parfait. Bien. Donc là, vous avez une machine à écrire si besoin. Donc, les cavernes. C'est un moment important du jeu, on en apprend pas mal sur, sur l'intrigue. Et un peu sur qui est gentil, qui est mauvais. Là pareil, dans les autres difficultés, vous avez une plante, mais elle est pas là. Beaucoup moins de soins quand même. Voilà, donc là, une scène assez importante du jeu. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Enrico! Double crosser? Hmm.
faut récupérer la manive et l'hexagonale. Donc là, voilà, c'est clair. Il y a... Hop là, fou. Attends, il me fait peur, lui. Il y a un traître dans l'équipe. Bon. Alors, on va se la jouer Superman. Hop là. Attends, mais lui, je l'avais complètement oublié, pour le coup. Il y a des hunters partout. Hasta la vista, baby. Bon, ça va. Ça fait déjà 20 minutes. Bon. Allez, sauvegarder. Et voilà, une partie de plus qui s'achève. Donc, vous connaissez la recette. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici la prochaine, je ne sais pas quoi dire. Bon, allez, à plus.